les bienvenus. Ouais. On a beaucoup parlé hier des conditions de réindustrialisation. Je vais vous laisser vous présenter ultra rapidement, dire ce que vous faites, et puis on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les acteurs du Made in France. Plus que acteur, je crois que vous êtes plus que acteur, vous êtes aussi soutien fort de votre filière. Vous êtes super convaincu. Votre rôle dépasse largement celui de chef d'entreprise. C'est déjà beaucoup, on va en parler. Et c'est ça aussi qui m'intéressait, parce qu'évidemment, on a besoin d'exemples positifs pour entraîner tout le monde à fabriquer un peu plus et puis peut-être un jour beaucoup plus. Alors, en France et dans les pays européens proches aussi, hein, voilà, on est français, mais on est aussi européen. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter en une phrase. Allez, on va commencer par Karine. Alors, Karine Renaud-Thibérien, je co-dirige les manufactures de layettes et tricots. Éric. Éric Boël, donc je m'occupe des tissages de Charlieu. Cédric. Donc Cédric Coplat, bonjour, peignage du mortier à Tourcoing. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on a plusieurs acteurs de différents métiers dans la filière, y compris un métier dont en général on parle peu, qui sont les métiers amont de préparation et d'ennoblissement et de travail sur les fibres, et qui sont pourtant tout à fait stratégiques dans les sujets de durabilité qui nous occupent en ce moment. Donc, bienvenue à tous. Alors, moi, j'ai envie de vous poser d'abord une question un peu direct, mais c'est parfois une question que je me pose avec un peu d'admiration. Comment vous avez fait pour être encore là? Parce que la filière a quand même traversé 30 ou 40 ans de désindustrialisation continue. Donc, comment vous avez résisté? Qui veut expliquer? Éric, allez, je sens Allez, que tu es parti. Annick, on a résisté parce qu'on y croit, parce qu'on aime notre métier, parce que les gens qui sont avec nous dans nos communautés humaines que forment nos entreprises sont passionnés par ce qu'ils font, parce que effectivement, à chaque fois qu'une porte se fermait, on a essayé d'en trouver une autre à entrouvrir, parce que notre industrie est Et évidemment, elle a été détruite en grande partie par la mondialisation, bien entendu, et la désindustrialisation, mais qu'on a des ressorts de savoir-faire, de créativité et de cœur qui font qu'un certain nombre d'entreprises ont résisté. Donc, non seulement, évidemment, dans le luxe et le technique, hein, bien entendu, mais également dans la créativité, le juste à temps, parce qu'on a la chance dans notre pays, et c'est important de le dire, me semble-t-il, d'avoir une créativité qui est reconnue. Si les plus grandes marques du monde sont françaises ou italiennes, ça tombe pas du ciel. C'est bien qu'il y a une culture qui engendre une créativité particulière et qui est recherchée malgré tout ce qui a été fait pour que tout ça n'existe plus. Et donc, grâce à ce fond, à ce qui a subsisté et qui se redéveloppe maintenant, on va pouvoir réindustrialiser. Et ça, c'est un bonheur. Karine, comment les manufactures de layettes ont résisté à cette longue tourmente? Alors, elles ont toutes. Alors, ouais, déjà, moi, je suis une. Voilà, je vais être très modeste par rapport à Cédric ou Eric. Moi, je suis une néo-industrielle. J'étais pas du tout industrielle, puisque mon grand-père, lui, a fait faillite à la fin des années 70. Donc, c'était un grand industriel du textile, mais à la fin des années 70, il a disparu. Et du coup, je suis rentrée dans le textile très, très, très récemment et vraiment par un énorme hasard, il y a 5 ans, en reprenant la manufacture de layettes. Et puis la manufacture Jean Ruiz il y a 3 ans à Roanne, et puis la manufacture Marcoux au sud de Roanne en décembre dernier. Chacune de ces manufactures, en fait, elle a tenu, ouais,
par la, enfin, par la volonté, la ténacité, la pugnacité et l'intelligence de ces dirigeants précédents, ceux qui étaient là avant qu'on les reprenne. Ces dirigeants, à la fin, ils étaient tous fatigués. Hein. À la fin, ça partait un peu quand même dans le mur. Donc, c'était pas mal qu'avec Arnaud, on arrive avec notre énergie pour se dire, mais attendez, ils ont tenu jusque-là, on prend le relais. Les gars, on est là, on y va. En fait, c'est des entreprises qui avaient déjà des clients qui étaient... qui ne sont pas partis quand tout le monde s'est barré, en fait, eux sont restés là. La manufacture de layettes, il y a eu Leclerc et Aubert, qui étaient les deux espèces de piliers qui, quoi qu'il arrive, passaient leurs commandes. Et du coup, eh ben, alors la manufacture s'est un peu réinventée. Elle s'est dit à un moment donné, quand il y a eu l'ouverture des quotas, enfin, il n'y avait plus de quotas, donc on pouvait commander tout ce qu'on voulait en Asie, où quand même les salaires sont entre 10 fois et 20 fois moins chers que chez nous. Le dirigeant de l'époque s'est dit, bon, bah, je conserve le tricotage en France, mais je fais l'assemblage en Tunisie. Et pendant pas mal de temps, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Donc, il a été malin. Il s'est dit, je peux garder une partie, mais pas le tout, mais je garde quand même une partie. Et là, aujourd'hui, nous, on est en train de reconstruire le tout grâce à la décision qu'il a prise à cette époque-là. Chez Jean Ruiz, il y avait pareil, des clients qui étaient là, qui ont peut-être un peu rabaissé leur marge, un peu, enfin, et qui ont tenu en fait avec ces gens de chez Ruiz et chez Marcou Lafay, c'est pareil, des clients qui sont restés. Voilà, il y avait des marchés de niche. Marcou Lafay s'est réinventé, il faisait de la layette il y a 20 ans, et puis d'un coup il s'est dit, allez, je vais faire de l'orthopédie, et c'est une des dernières manufactures qui soit capable de fabriquer de A à Z une genouillère ou une chevillère en France. Donc voilà, ce sont des gens qui ont cru. Mais c'est vrai qu'au moment où on les a repris, ils étaient un peu fatigués quand même. Merci Karine. Alors Cédric est un peu comme toi, il fait partie des nouveaux entrepreneurs qui arrivent dans cette filière. Et Cédric, alors comment l'entreprise que tu as repris a pu quand même traverser beaucoup de tempêtes et comment tu analyses la situation toi? Comment Peignage du Mortier, qui est un des rares restant sur ce secteur, a pu résister? Alors déjà, Peignage du Mortier, pour que tout le monde comprenne, nous on est un maillon entre des fibres et des filateurs. Donc, on a besoin de s'inscrire dans une filière. Il faut qu'il y ait une filière pour qu'on puisse apporter un service, qu'on puisse exister. Moi, j'ai repris l'entreprise il y a 3 ans, je n'étais pas du textile. Et déjà, ce que je veux dire, c'est que toutes les entreprises textiles industrielles qui existent aujourd'hui, c'est des survivants et c'est toutes des entreprises qui ont une force d'adaptation et une capacité à créer leur micro-niche et à rester. Peignage du Mortier a passé les 125 dernières années de crise en crise, à chaque fois en jouant le coup d'après et en s'adaptant. On a dû arrêter la laine dans les années 60 parce que c'était le début de la fin, même si ça a mis encore 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on repart dans la laine française. À la fin des années 80, on était à 100% de chiffre d'affaires français, mais les filatures ont commencé à partir en Asie la plupart du temps. Dans le meilleur des cas, elles sont restées en Europe, mais en Europe de l'Est. Guy Dumortier, à l'époque, a fait appel à Georges Major. Vous avez fait sa connaissance mercredi lors d'un Love Pitch. Georges, il a développé 90% de chiffre d'affaires à l'export. Il a adapté l'entreprise avec des nouveaux process. On avait monté un atelier pour faire du lin dans les années 90. Ça s'est crashé en flammes en 2006-2007. Bon, bah, on a fermé l'atelier, on a mis des bâches. Et qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? On a enlevé les bâches et on est reparti. Donc, voilà. Ils se sont à chaque fois adaptés et ils ont beaucoup investi. C'est très capitalistique chez nous. Il y a eu des gros investissements dans les périodes où c'était faste. Et on a tenu parce qu'ensuite, pendant 10 ans, on était capable de ne plus investir et de vivre sur nos acquis. Ouais, donc on voit bien qu'il y a quand même une grande dose de volonté. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a, comme tu le dis, il y a aussi des investissements, d'agilité, d'adaptation au marché. Cette agilité, cette volonté de rebondir, on l'a quand même senti avec, pas que des bonnes choses, mais on l'a quand même senti dans la crise des masques, où tout d'un coup, toute la filière s'est investie dans la solution d'un problème aigu. C'est bon signe ou c'était juste un petit feu de paille et business as usual, ou on sent que ça a quand même réveillé des choses et fait repartir des intentions?
Vas-y, Ouais. Karine. Ouais, alors je pense que c'est énorme ce qui s'est passé. Je pense que nous tous, on s'est. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Alors nous, on l'avait un peu plus que les autres en faisant du fabriqué en France, mais je pense qu'on s'est tous dit, enfin moi en particulier sur les médicaments, sur un moment donné, on s'est dit, tiens, il y aura peut-être plus tel ou tel truc qui va vous éviter de souffrir quand vous avez mal, des trucs comme ça. Et là, on s'est dit, mais mince, en fait, on est arrivé aussi loin que ça en France. On a juste tous fermé les yeux, moi la première, en regardant pas mes étiquettes, en achetant mes produits, puis en demandant pas où étaient fabriqués, en supposant que les médicaments étaient encore supposés en France, parce que étaient encore fabriqués en France, parce qu'on avait Sanofi, enfin, on est quand même le pays de Pasteur, tout ça. En fait, on a tous un peu fermé les yeux, et puis on les a rouverts quand même très très fort en mars 2020, je trouve. À côté de ça, c'est vrai que nous, voilà, la plupart des gens étaient un peu désœuvrés. On voyait nos copains qui étaient chez eux, tout ça. Et nous, tout d'un coup, le désœuvrement a duré peut-être quelques heures. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, il y a un problème avec ces masques. Et on s'est tous jetés sur ce problème avec différentes forces et faiblesses. C'est vrai que pour les tricoteurs, c'était un peu plus compliqué à la base parce qu'on se disait, mais nous, on fait une maille, un trou, une maille, un trou. Et donc le virus, il va passer à travers les trous. Et puis finalement, bah non, il fallait qu'on tricote d'une certaine façon. Donc on a mis un petit peu de temps à trouver la façon dont il fallait tricoter pour faire des masques. Mais c'est vrai que dès qu'on a trouvé, là, on s'est tous lancés dessus. Et les pouvoirs publics ont vraiment été là à la base, le ministère des Finances qui nous a appelés en disant, faut que vous trouviez une solution. Enfin, voilà. Donc déjà, ils nous ont poussé un peu au derrière, poussé à s'organiser entre nous, à se filer les programmes les uns avec les autres, alors qu'on ne se connaissait pas forcément entre tricoteurs. Donc ça aussi, c'était pas mal. Nous, ça a créé des liens au travers de la filière, en se disant, il faut qu'on y arrive tous, parce que là, il y a un sujet majeur quand même. Et puis les pouvoirs publics nous ont accompagnés, parce qu'ils nous ont commandé des masques. Ils sont venus nous voir aussi. Jusque-là, les maires et les députés et tout ça, ils ne venaient pas trop nous voir parce que si on fixait un rendez-vous pendant 2, 3 mois, il y avait quand même des chances qu'on fasse faillite juste avant. Et là, ça faisait des ordres. Ou alors qu'on fasse faillite juste après. Et là aussi, ça faisait des ordres. Donc en fait, voilà, il y avait une espèce de truc. On n'est pas là, on ne les voit pas. Et là, eh ben, ouais, ils sont venus nous voir, ils se sont renseignés sur comment on faisait les trucs, sur il y a un espèce de ouais, non, il y a un mouvement qui s'est enclenché, qui est fort, qui derrière a débouché sur un plan de relance. Non, je pense qu'il y a eu un avant et un après pour nous, je pense en tant que personne. Où on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait sur les 20-30 dernières années. À laquelle on a tous participé, chacun à notre niveau, et sur le fait qu'on pouvait changer un peu les choses, que ça va être long, mais qu'on peut être accompagné par les pouvoirs publics là-dessus. Éric, comment tu as vécu ça, toi qui étais plongé dans l'affaire des masques dès le premier jour? D'abord, ça a été un moment de solidarité dans notre entreprise, dans notre ville. De don de soi, de chacun qui est venu, alors que chacun aurait pu rester chez soi tranquillement et en étant payé par l'État. Et donc, on a démarré le 17 mars à 17 h, le lendemain du discours présidentiel sur le confinement, sur le premier confinement, et tout le monde était là et on a produit 200 000 masques par jour. Bref. Et juste un chiffre, je crois que c'est le 15 avril, on avait produit 60% de la production française de masques en tissu. Bon. Je prolonge ce que dit Karine. Il faut que tout le monde soit conscient que le textile est précurseur des grands mouvements de notre société. Première machine-outil, c'est une machine de filature au XVIIIe siècle en Angleterre. La mondialisation, elle a démarré par le textile. Les drames de la mondialisation, c'est le textile qui les illustre avec le Rana Plaza, etc., les Ouïghours. Le discours présidentiel du 16 mars, c'est bien sûr, on vit un drame. Nous avons perdu notre souveraineté industrielle. Et qu'est-ce qui a permis de se rendre compte? C'est les masques et les blouses. C'est encore le textile. Et effectivement, comme le dit Karine, le plan de relance, c'est un plan de relance industriel. Alors, ce choc des masques, il nous a permis, en rebond, de s'apercevoir que l'organisation systémique que nous avions
était tellement forte que même en ayant cette volonté du président de la République, des ministres, etc., de se dire « il faut qu'on relocalise et il faut qu'on reconquiert notre souveraineté industrielle », eh ben, on s'est aperçu que ça restait un vœu pieux parce que, en fait, il est plus facile d'acheter en Chine que d'acheter en France. C'est ça la réalité. Et que le 15 mai, on avait des centaines de millions de masques jetables qui sont infiniment plus polluants, émetteurs de CO2, etc., qui arrivaient massivement dans notre pays et en Europe, malgré cette volonté forte du président de la République. Et le deuxième, donc ça a été, je pense que ce moment des masques, exactement comme le formule Karine, c'est un moment historique, parce qu'effectivement, c'est une bascule d'une société qui, j'allais presque dire d'une civilisation, qui se dit « nous sommes allés trop loin ». Il faut maintenant que ce système globalisé qui fait que nous perdons notre souveraineté, il est plus possible, il est dangereux. Et il faut que nous ayons une économie, il faut que nous changions le monde, nous le fassions évoluer vers une économie au service de l'homme. Et le deuxième point, je ne veux pas être trop long, mais le deuxième point très très important, qui est très fort et bravo à tous ceux qui ont participé à ça, c'est que tout le monde s'est dit, tout le monde a enterré le textile depuis bien longtemps. Quand on dit à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu fais ? Je m'occupe d'un tissage, il dit, oh, pauvre, c'est terrible. On se dit, mais comment il survit ? C'est pas possible, c'est un petit artisan dans un coin avec deux métiers à tisser. Bref, ce qui n'est pas le cas. Contre toute attente, en un mois et demi, notre pays et notre industrie textile était capable de subvenir à ses besoins quantitatifs en masques en tissu. On était capable d'en produire 40 ou 50 millions par semaine. Ça veut dire qu'on a une agilité, on a une capacité industrielle, une capacité entrepreneuriale, une capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Donc, par bonheur, tout ça, évidemment, à tout mal, il y a un bien qui en sort. Ce bien, c'est cette prise de conscience, cette évolution des consciences. Tout ça, c'est très fort dans ce Covid. Et donc, cette prise de conscience qui fait que tout le monde veut avancer vers le recyclé, vers le Made in France, etc., c'est magnifique et tant mieux. Évidemment, ça va prendre un peu de temps. On a mis 40 ans à déconstruire. On ne va pas construire en claquant des doigts, c'est clair. Mais il faut qu'on garde cette énergie parce que cette agilité, cette adaptabilité dont a fait preuve le secteur textile français, je pense qu'il n'est pas suffisamment souligné et qu'on se redonne ces chiffres-là. Notre pays, il n'y avait pas une entreprise qui faisait des masques en tissu le 16 mars et un mois et demi après, on était capable de subvenir aux besoins de notre pays. On a évoqué hier déjà cette question de la communication de la filière sur ses actions, sur toutes les choses magnifiques qui se passent chez chacun et chacune. Donc, ça revient un petit peu aujourd'hui. Cédric, toi, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu sens qu'il y a un réintérêt? Est-ce qu'il y a par exemple des distributeurs qui viennent te voir? Est-ce que certains commencent à remonter la filière finalement et à se reconstruire un savoir-faire parce qu'il a été perdu? Depuis l'origine des fibres, est-ce que tu sens ce réintérêt, toi, qui est tout à fait en amont de la filière? Oui, c'est très clair. Alors évidemment, nous, la question des masques, on est très éloigné de ça. Donc, ce n'est pas par cet axe-là qu'on l'a vu, mais on était une société qui était très cachée, très, très discrète, en façonnier. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt de marques, de distributeurs avec qui on discute, qui veulent se réapproprier la filière, qui veulent comprendre, voir où sont les trous dans la raquette. Et c'est là où moi, je suis vraiment très content qu'on ait des collectifs comme Fashion Green Hub, comme le collectif Tricolore, comme Lin et Chanvre Bio. Vous faites beaucoup de bien parce que vous nous aidez à nous parler. Déjà, entre industriels, on a déjà aussi besoin qu'on nous aide à nous parler, à se connaître. Mais alors, réussir à se connaître avec les marques ou avec les producteurs de fibres, c'est fantastique. Moi, je veux quand même ressouligner un signe qui est vraiment hyper tangible. On a fermé des filatures depuis 30 ans. Et là, en l'espace de 2 ans, on a 3 filatures de lin qui voient le jour. Emmanuel Lang, sa filin, Natup. On a Grégory Marchand qui nous dit,
il y a un besoin pour le recycler, je vais rouvrir une capacité de filature open-end pour faire du recyclé. Il y a la filature Colbert qui va se lancer dans la laine. Enfin, c'est fantastique, quoi. C'est des petites capacités, mais c'est 5-6 filatures qui ouvrent, quoi. Quand même, oui. Alors et que je ne pense pas qu'il y en ait eu depuis je ne sais même pas combien d'années. Ah, mais on a fait que les fermer. Et avec un soutien des pouvoirs publics et du plan de relance qui est réel, qui n'est pas, c'est pas de la com, c'est tangible. Et si on ne l'a pas, on n'est pas capable de faire tout ça. Hein, donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce souci du local, il ne se positionne pas seulement sur le produit fini, on va dire. Il se positionne aussi sur l'origine des matières, sur l'arrivée des matières recyclées comme matières essentiellement durables. Donc finalement, il y a un petit peu, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, l'ensemble de la chaîne de valeur qui est sollicitée, peut-être pour différentes raisons, mais finalement, tout va se recouper et ça va permettre peut-être à tout le monde, pour une fois, d'avancer ensemble de A à Z, peut-être, pour toutes ces raisons. Donc ça c'est super. Moi, je voulais aussi vous poser une question sur… souvent, quand on parle de production locale et Made in France, on arrive toujours assez rapidement sur « oui, mais est-ce que ça ne va pas être trop cher ?» Donc, est-ce qu'on peut arriver avec de la volonté, de l'imagination, du design, à demain penser qu'on ne va pas seulement produire du luxe en France, exporté en Chine à 90%, est-ce qu'on va pouvoir fabriquer des vêtements pour tout le monde, des vêtements usuels pour tout le monde? Est-ce qu'on va pouvoir trouver, nous tous, facilement, des vêtements, alors qui ne seront certainement pas à 5 euros, mais qui vont être à un prix possible, surtout si évidemment ils sont très solides et qu'on peut les utiliser très longtemps. Est-ce que ça va être davantage possible, peut-être avec, je ne sais pas, la technologie, voilà. Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va vers ça ou est-ce que ça reste encore super compliqué de fabriquer des vêtements à un prix accessible à beaucoup de Français, si ce n'est à tous? Alors, on va vers ça, Annick, et on va vers ça parce qu'on veut aller vers ça, parce qu'il ne faut pas qu'on voilà, c'est un peu facile de faire du Made in France pour une marque qui va vendre des pulls 300, 500, 1500 euros. Évidemment, ça c'est facile, on le fait et ça se passe bien et ça s'est toujours bien passé. Et donc ça, c'est facile. C'est un peu plus compliqué, en effet, de se dire qu'on va fabriquer pour tout le monde. C'est plus compliqué parce que on est une industrie qui peut un peu se robotiser, mais qui reste quand même une industrie manufacturière avec des hommes et des femmes qui travaillent, qui sont payés normalement, et on a un système social en France qui on t'a un petit peu perdu, Karine, momentanément. Bien fait. Et sur des salaires qui sont parfois moins importants et on a... donc je disais que on reste une industrie manufacturière, que le coût de la main d'œuvre coûte plus cher en France parce qu'on a un système social qui est excellent en France et qu'il faut surtout conserver, qui n'est pas le même que dans d'autres pays lointains comme en Asie, où le coût de la main d'œuvre peut être jusqu'à 10 à 20 fois inférieur en France, ou le Maghreb où c'est 4 fois inférieur. Donc on reste une industrie manufacturière, donc on va continuer à faire des produits qui seront plus chers que ceux qui sont produits au Bangladesh. Même si on va automatiser un petit peu, robotiser un petit peu, la plupart des produits, en tout cas dans la maille, vont être plus chers s'ils sont fabriqués en France. Mais ce qu'on constate, c'est que il y a de la part des Français, en fait, une vraie compréhension du fait qu'un pull made in France, il ne peut pas être exactement au même prix qu'un pull fabriqué par des gens qui n'ont pas le salaire qu'eux-mêmes souhaiteraient avoir et les avantages sociaux qu'eux-mêmes estiment que c'est normal d'avoir. Donc, je donne juste un... Et donc, ils sont prêts à payer un peu plus cher. Alors, pas, je vous dis, pas 1500 euros, hein, mais ils sont prêts à payer un petit peu plus cher. Je donne juste un exemple. On est chez Aubert depuis une quarantaine d'années, la manufacture de layettes. Et puis, il y a 20 ans, ce qu'on a fait chez Aubert, c'est qu'on a dit, on tricote et on assemble...
en Tunisie, chez des partenaires qui sont très fiables et très bien, qu'on a depuis 20 ans. Et on met ces produits-là, et la brassière donc est à 10 euros, et chez 10, 12 euros chez Aubert. Et puis, en janvier dernier, Aubert nous a dit, ouais, mais j'aimerais bien quand même avoir à côté de cette collection tricotée en France, une collection made in France. Donc, nous, on a fait le calcul de nos coûts, ils ont fait leur calcul de leurs coûts. La brassière revient à 25 euros. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, il y a des produits made in France chez Aubert et des produits tricotés en France à un prix plus raisonnable. Aujourd'hui, la part made in France chez Aubert représente un tiers du chiffre d'affaires quand même. En 9 mois, il y a un tiers des consommateurs qui vont… Alors, ce n'est pas des magasins de luxe, sont des très beaux magasins, mais ce ne sont pas des magasins de luxe. Un tiers des consommateurs sont prêts à se dire, mais j'en achète qu'un. Il est plus cher, mais je sais pourquoi. Et puis, tant pis, je le laverai peut-être un peu plus souvent, plutôt que d'en acheter deux. Après, d'autres font d'autres choix. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une question de coût. Il faut arrêter de se concentrer uniquement sur se dire, attention, combien ça va coûter. On le dit, on va essayer de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible, mais ça va coûter plus cher forcément. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va mettre une étiquette. La personne qui met l'étiquette, elle coûte plus cher qu'ailleurs. Donc, c'est comme ça. Mais il faut ne pas oublier que les Français sont capables de comprendre ça et qu'on peut aujourd'hui leur expliquer, qu'il faut leur expliquer, et que et même nous, dans notre conso perso, est-ce que j'ai besoin de 5 jeans par an ou est-ce que je m'en prends 2 et puis voilà. Enfin, après, il va y avoir aussi une réorganisation de la façon dont on distribue. Autrefois, c'était les fabricants qui distribuaient directement. Mon grand-père, il avait des VRP, enfin, donc, ça partait directement de l'usine. Il avait des VRP qui tournaient partout en France et qui fournissaient les magasins un peu partout. Aujourd'hui, la distribution s'est organisée autrement, avec des marges du coup supérieures à la marge du VRP qui tournait un peu partout. Là, je pense qu'il va y avoir aussi quelque chose qui va se passer et il y a des modèles en fait qu'on va devoir revoir. 1083, Thomas Hurier, ce qu'il dit toujours, c'est que il n'y a pas la place pour la marge du fabricant, la marge de la marque et la marge du distributeur. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un regroupement. Soit la marque devient distributeur, soit le fabricant est aussi la marque. Mais en tout cas, il n'y a pas la place pour 3 intervenants, mais pour 2. Donc, il va y avoir aussi quand même une réflexion à mener des uns et des autres, que les marques fabriquent ou qu'elles disent… Bon, voilà, il y a quelque chose qui va devoir se passer. Oui, parce que finalement, on dit toujours c'est le coût de production, mais dans le coût d'un produit, bien souvent, le coût de distribution est 3 ou 4 fois plus grand que le coût de production. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut réexpliquer. Il est 3 à 4 fois plus grand qu'autrefois. Oui. Éric, toi, tu vois ça comment? On va arriver à faire des tissus pour tous, des vêtements pour tous? Est-ce qu'on progresse? Toi, tu as un investissement un peu de robotisation qui arrive, donc peut-être que la technologie va aussi aider à ça. C'est clair. Écoute, Annick, il y a plein de choses à faire dans notre secteur d'activité, qui est un secteur, somme toute, qui est resté hyper traditionnel partout dans le monde. Finalement, au lieu d'innover, on a délocalisé en utilisant de la main-d'œuvre bon marché. Donc, évidemment, beaucoup d'autres secteurs n'ont pas fonctionné comme ça. Nous, ça a été ça, parce que finalement, c'est un métier de mettre en place une usine avec des machines à coudre, sans doute, qui était plus simple que de déménager des hauts fourneaux. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a plein d'innovations qui sont en train de se produire, qu'on va refabriquer des baskets en France avec Chamatex, qu'on va refabriquer, 1083 le fait déjà et c'est top, mais Fashion Cube là, avec le Dominium Center va fabriquer des jeans en France, donc c'est quand même emblématique. Pour notre part, on investit dans des robots qui vont nous permettre de faire des sacs de caisse et qui vont permettre de relocaliser un sac de caisse. Vous imaginez à quel point c'est vraiment un produit basique de chez Basique et qu'on va être sur des prix en matière recyclée, bientôt totalement fait avec de la matière post-consumeur qui a été récupérée en France, transformée en bourre, peigné chez Dumortier, qui va faire fabriquer des filatures, qui va faire fonctionner des filatures françaises, des tissages français et cette confection robotisée, que c'est possible. Et là, évidemment, c'est des marchés qui sont significatifs. C'est possible. On a, en fait, dans notre manière de penser, globalement,
Quand je dis nous, c'est tout notre pays, c'est nos dirigeants politiques, etc. Depuis 40 ans, on se dit, bah non, le textile, on est beaucoup trop intelligent pour faire du textile. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas pouvoir faire vivre notre pays uniquement avec du luxe et de la haute technologie. Il faut qu'on puisse faire des... Il faut qu'on retrouve la fierté de se dire que nous sommes capables de produire ce que nous consommons dans notre pays. Ça, c'est le socle de ça. Et je dirais juste une chose également de tous ces éléments-là, c'est quoi les grands défis de notre pays? C'est quoi les grands défis de l'Union européenne? Il y en a trois. C'est la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, qu'on a carrément perdue. C'est 95 des produits manufacturés qui sont aujourd'hui importés, pas uniquement le textile, hein. À part l'agroalimentaire. Deux, c'est la transition écologique. Et on sait que quand on fabrique en France par rapport à une fabrication Asie qui est extrêmement carbonée, on divise par deux, par trois, par quatre, voire par dix. Et je vous dirai tout de suite après pourquoi et comment on fait. Donc, transition écologique. Et le troisième point, qui est évidemment un drame que nous vivons en Europe et en France, c'est la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, évidemment, l'emploi et le sentiment de se sentir utile dans ce qu'on fait au quotidien, c'est le meilleur facteur de cohésion sociale qu'on peut trouver. Je terminerai juste, pardon d'être à chaque fois trop long, sur la transition écologique. Si c'est l'étude Cycleco que vous pouvez télécharger sur le site de l'UIT, si par rapport à un produit qui aujourd'hui, en moyenne en France, est importé à 95% et génère 56 kg de CO2 par kilo de textile acheté, si on le produit en France, en circuit court et avec de la matière recyclée, on divise par 10 son impact carbone. Donc, en fait, nous avons à portée de main les grands défis de notre pays. Cette reconquête de la souveraineté industrielle qui passe par la relocalisation, qui en même temps va être extrêmement fertile sur l'aspect de la transition écologique et créatrice d'emplois. Il faut qu'on arrête de parler de décroissance, mais qu'on se dise c'est une croissance qui est féconde. C'est-à-dire, nous, on a fait le calcul, puisqu'on a un logiciel d'analyse de cycle de vie, chaque emploi créé au tissage de Charlieu pour les sacs, par exemple, c'est 1000 tonnes de CO2 économisées. C'est la croissance et l'emploi dans notre pays qui va nous permettre d'être le plus puissant facteur de baisse des émissions de carbone qui doivent évidemment se prendre dans une dimension planétaire et pas uniquement à l'échelle de notre pays. Alors, pour faire tout ça, puisqu'on voit qu'il y a un trend assez enthousiasmant, il y a un plan de relance où il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'industriels textiles déjà qui ont proposé des projets dans ce plan, ce qui est une chose extrêmement positive, parce que s'il n'y a pas de projet, l'État ne peut pas accompagner la relance. Cédric, c'est important ce plan de relance. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu as proposé comme projet? Et en quoi ça va t'aider à vraiment faire avancer ton entreprise? Ah oui, non, mais c'est crucial, hein. Nous, on a dû vivre 10 années difficiles pendant lesquelles on a été vache maigre sur les investissements. On a un effort de rattrapage important. On a des nouvelles technologies de machines qui sont sorties, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus agiles. Ça, c'est un point important. Je pense qu'il y a de l'agilité en sortie de la chaîne dans le fait de faire des petites séries et de limiter les invendus. Mais nous aussi, en amont, on peut être plus agile dans nos méthodes de travail et beaucoup plus productif. Donc, on va s'appuyer notamment. Schlumberger a sorti des peigneuses qui sont beaucoup plus modernes, qui sont connectées, qui sont 4.0. Bon, bah, un temps de changement de série, au lieu de prendre 1h30, ça va prendre 20 minutes. C'est énorme. La productivité, ça sera 30 à 40% de plus. Donc, on a 3 millions d'euros d'investissement à réaliser dans les années qui viennent. On va être soutenu largement par ce plan de relance. Et juste, je voulais rajouter un point. Il y a l'automatisation en sortie. Par contre, il faut bien penser à ce qu'on fasse de l'éco-conception dès le départ sur la durabilité du produit. Et il faut penser à une certaine forme de standardisation. Parce que si chacun veut son fil, si chacun veut exactement sa petite spécificité à la fin, vous allez tous demander des choses qui vont faire des prix
très important pour le filateur. Si on arrive à avoir un peu de standardisation sur nos produits, les filateurs, le peigneur vont être capables d'être performants et on va aller vous chercher des points de diminution de coût et on pourra mettre du 100% français dans nos produits. Ouais, donc c'est toute la chaîne qui doit investir, gagner en compétitivité et en agilité pour qu'on puisse au final éviter la surproduction, produire à la demande, produire avec plus de recyclés aussi. De manière plus durable, et on voit bien que c'est en bonne voie. Eric aussi, toi, tu as proposé un plan de relance. Oui. Tu as un dossier. Tout à fait, c'est clair. Donc, on a été accompagné dès le départ sur le premier plan de relance sur nos investissements. Clairement, c'est l'État qui a décidé sur ce plan de relance qui est sur 100 milliards, qu'il y en ait 33 qui soient pour l'industrie, c'est majeur parce que clairement, nous tous, Cédric, Karine, 100% des industriels, on a la trouille quand on doit dépenser 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est pas simple, hein. Et c'est vrai, quand on a un coup de pouce qui nous dit, bah, tiens, il va y en avoir 10, 20% qui vont être pris, eh ben, c'est le truc. C'est pas, on l'aurait fait peut-être quand même, mais pas sûr. Et ça, c'est nécessaire. Si on n'investit pas, l'investissement va déclencher plein d'emplois, plein de projets, va donner de l'énergie. Ce qu'on a besoin dans notre pays, c'est redonner cette confiance, cette énergie qu'on est capable de produire dans notre pays. Ça, il faut vraiment qu'on s'en persuade. Et ce plan de relance, il a été un facteur de motivation qui va infiniment plus loin que juste l'argent qui est donné. C'est un facteur de motivation, de transformation de notre pays qui est infiniment plus puissant que ce qu'on lit dans la presse. Et il y a le plan déblatère sur tout ça, mais clairement, on est sur un mouvement qui est magnifique, hein, qui est puissant. Cédric, tu voulais... Oui, je rebondis. Eric a raison de dire que les investissements vont déclencher beaucoup de choses. Alors, à nous aussi, industriels, d'essayer d'être intelligents et d'investir à minima européen, si possible français, quand c'est possible. Parce que si on nous aide dans nos investissements et que ça va dans des entreprises françaises qui vont faire travailler leurs salariés pour fabriquer ces machines, on va aussi avoir besoin d'une autre entreprise française qui va venir nous les installer, d'une autre entreprise qui va venir nous les maintenir. Voilà, et ça, c'est vertueux. Karine, plan de relance ? Oui, alors je pense qu'en effet, ça fait 50 ans que les textiliers, que l'industrie du textile a désinvesti, n'a pas investi en fait, et on travaille tous plutôt avec des vieux nanars les uns les autres. Après, on a appris à être économe dans nos investissements et à faire du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On a intérêt tous à moderniser nos usines, et c'est bien qu'on sente que l'État soit à nos côtés. Après, là, il y avait un peu l'effet... il faut que ça se pérennise dans le temps. Il faut qu'on se dise que, voilà, nous, on n'avait pas besoin de faire parce qu'on avait acquis des entreprises qui avaient déjà pas mal de choses et qu'il fallait déjà qu'on amortisse ce qu'on avait. Donc, on n'avait pas de sous pour surinvestir encore en plus. Donc, il faut que ce plan de relance, il se transforme en accompagnement sur les... Parce que ce que disait Eric, c'est que ça ne va pas durer 5 ans pour remonter notre industrie textile, par 40 ans. Donc, il faut pérenniser un petit peu, simplifier aussi l'accès à ça et se dire qu'en effet, quand on hésite à acheter une nouvelle machine, c'est vrai que s'il y a 20% qui est aidé par l'État, c'est peut-être le coup de pouce qui va nous faire y aller, en fait. Alors que jusque-là, on se sentait un peu seul au monde par rapport à nos investissements. Et il faut qu'on investisse parce que c'est vrai, nous, pareil, les métiers à tricoter qu'on reprend sont des métiers à tricoter qu'on achète aujourd'hui, sont des métiers à tricoter qui sont capables de tricoter en trois dimensions, où il y a beaucoup moins d'interventions humaines derrière, et donc le coût est moins cher derrière. Donc on a vraiment tous intérêt à moderniser nos usines, et que l'État soit là à nos côtés, et ben, il était temps, et c'est bien, et c'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit juste...
à un moment là, donné, ouais. Qu'est-ce qu'on a pris ? Il faut trouver un système qui se pérennise et un système quand même relativement simple où on n'a pas des dossiers à remplir en attendant la réponse. Et avant que la réponse arrive, en fait, on a fait l'investissement. Donc, voilà. Mm-hmm. Donc, ça c'est quelque chose. Et je voulais juste revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur la nos usines, en fait, elles servent vraiment à la cohésion sociale de notre pays. Il y a eu des décisions qui ont été prises à la fin du siècle dernier, en effet, où je pense qu'il y a des gens qui se sont dit que la France aurait plus de bénéfices à acheter des vêtements pas chers qu'à conserver son industrie manufacturière en France, et que ça serait super de pouvoir acheter des t-shirts à 2 euros, et tant pis s'il n'y a plus de travail dans nos usines. Moi, je pense que, et je crois que Cédric et Eric seront d'accord avec moi, les gens qui travaillent à nos côtés sont des gens qui sont heureux. Déjà, parce que c'est un truc qui est important pour nous, mais c'est aussi un truc qui est réel, en fait. Ça rend heureux d'arriver le matin, d'avoir un truc qui n'est pas fait, et de repartir le soir et d'avoir des trucs qui sont faits. C'est aussi basique que ça. Mais en fait, je pense que ceux qui ont pris les décisions dans les années 2000 à se dire que ce n'était pas grave de perdre ses emplois, ils se trompaient vraiment très fort. Aujourd'hui, il faut le dire haut et fort. Là, c'était rigolo. On a fêté le fait qu'on ait obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. J'étais avec des journalistes, avec Clémence, qu'on a embauchée, qui a une vingtaine d'années. Donc qui est toute jeune, et vraiment c'est ce qu'elle disait. Elle disait, moi, ce qui me plaît dans ce travail, c'est que j'ai l'impression de faire quelque chose, en fait, j'ai l'impression d'être utile. Et ça, on a oublié l'importance de ce truc-là, et l'importance de nous tous en tant que chefs d'entreprise d'offrir des emplois dans lesquels les gens sont bien, enfin, et dans lesquels ils sont heureux, et ils auront passé une vie qui est chouette, et ils auront transmis leur savoir-faire. Là, c'est vrai que nous, on est beaucoup dans la transmission du savoir-faire aujourd'hui, parce que les gens partent doucement à la retraite. Donc avant qu'ils partent à la retraite, il faut bien qu'ils forment nos jeunes qui vont reprendre le relais. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait ce plan de relance, c'est bien qu'il y ait une conscience générale, et nos métiers sont vraiment des beaux métiers. Alors, le mot de la fin, en 10 secondes chacun, quel message vous passez aux distributeurs ? Voilà, qu'avez-vous envie de dire à toutes les grandes enseignes qui sont autour de nous, qui peut-être nous écoutent en ce moment ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Petit mot de la fin en 10 secondes chacun. Alors, juste un petit mot, messieurs les distributeurs, mettez-vous autour d'une table avec votre directeur financier et faites un calcul global de ce que vous coûte votre import Asie, avec votre besoin en fonds de roulement, avec vos invendus, avec toutes vos pertes, et regardez, faites un peu confiance aux industriels français, aux marques françaises. On a une trajectoire d'amélioration et on va arriver en coût global à venir dans quelque chose qui sera acceptable. Et en plus, ça aura donné du pouvoir d'achat aux consommateurs français qui pourront acheter vos produits. Eric ? Je crois qu'on est en train de vivre un changement profond de société et de mode de consommation. Et malgré ce qui est marqué dans le chat de Véronique, qui parle du prix, évidemment que ce sera toujours un critère important. Nous, on vient de le prouver de manière très simple et très claire. Des sacs qui sont vendus 2 euros, donc fabriqués en France, contre des sacs qui valent 80 centimes en provenance du Vietnam en polypropylène, qui ont été testés dans des magasins chez Auchan. D'un côté, dans des magasins comme ici les Moulineaux, avec un niveau évidemment de salaire qui est important, et de l'autre côté à Sarcelles, avec le revenu médian le plus bas de France, eh bien, donc, ils étaient beaucoup plus chers que les sacs en provenance du Vietnam. Ils ont cartonné de la même manière dans les deux magasins. Donc, en fait, évidemment, et on comprend bien pour un distributeur, ce frein et cette peur, je vous parlais tout à l'heure de la peur que nous avons, nous, industriels, d'investir. Et j'imagine que pour un distributeur, c'est pareil. C'est la peur de faire quelque chose qui déçoit ses consommateurs. Il faut qu'on s'enlève cette peur, parce que le changement de consommation est là, et que le consommateur a envie non seulement d'acheter un produit qui a un bon rapport qualité-prix, mais également de faire du bien par son acte d'achat. Karine, en une seconde, parce qu'on accueille Sylvie Chailloux qui va aussi évidemment nous parler de tout ce qui se passe du côté des confectionneurs. Un petit mot de la fin, Karine. Je dis tout comme Eric, c'est vrai que pour travailler avec les distributeurs, il y a 5 ans, rentrer dans le
box, on parlait prix. Aujourd'hui, on rentre dans les box, on parle. Ouais, il y a un truc qui est en train de se passer, et c'est en train de se passer parce que le consommateur qui rentre chez Leclerc, qui va rentrer chez Carrefour, un truc made in France, il ne va pas voir que le prix. Certainement, il y a toute une frange de la population, il y a des gens qui achètent sur Chine, qui s'en foutent de la planète, qui s'en foutent enfin, voilà, de qui a produit leurs vêtements et si cette personne est bien traitée et aussi bien traitée qu'eux méritent d'être traités. Donc oui, il y a toute une partie, et ce n'est pas grave, on ne s'adresse pas à eux, mais il y a toute une partie, toute une jeune génération qui est en train d'avoir une conscience mais tellement plus développée que la mienne, tellement plus saine, tellement plus tournée vers l'autre. Et voilà, et c'est à ces gens-là qu'il faut aujourd'hui proposer un produit qui a une histoire, qui a un sens, et non pas juste un prix. Merci à tous, bravo pour votre courage de patron investisseur et votre disponibilité pour expliquer. On a besoin de beaucoup de pédagogie aussi non-stop pour que les choses avancent. Un grand merci encore. Je redonne la parole à Mathilde et à Sylvie qui vient de nous rejoindre. Merci Annick pour ton travail. Merci, bonne journée à tous. Merci Annick.